Je suis une personne très spéciale et unique. Je suis autiste. Je suis pas Asperger, non, mais autiste. Je vis de l'anxiété aussi, à tous les jours de ma vie, sauf depuis le confinement. Et j'ai pensé de pouvoir partager mes trucs avec vous autres pour l'anxiété. Alors, durant votre confinement, mais aussi pour après le confinement et tous les jours de votre vie, j'espère que vous allez pouvoir utiliser mes trucs. Alors, bonne vidéo et bonne capsule. Merci! Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est à moi de vous donner un truc, ou plusieurs trucs. Vous vivez présentement de l'anxiété en ces temps difficiles. Eh bien, je suis une personne qui est autiste et je suis fière d'être ce que je suis. Je suis unique et je vis énormément d'anxiété. Mais depuis ce temps compliqué et difficile, mon anxiété à moi a disparu, car je suis dans mon élément. Et j'ai pensé de pouvoir vous donner un truc aujourd'hui. Oui, un truc. Le truc, c'est on respire. Et on sort le méchant. Durant que vous faisiez comme cela, on peut dire comme par exemple en patois, j'adore les papillons et le monde, j'aime les papillons et le monde. Et là, tu fais comme ça pour sortir toute la mauvaise énergie, le gaz, l'anxiété. Tu peux le refaire. On le fait avec moi? On le refait. Encore une dernière fois? Vous pouvez le faire jusqu'à 10 fois. Vous pouvez le faire dans votre lit, assis à terre, assis debout. Vous pouvez aller dans l'autobus. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Vous pouvez le faire plus discret. Mais idéalement, il faut le faire. Ça va vous aider dans ces temps compliqués et difficiles que vous vivez. Moi, normalement, je vis qu'est-ce que vous vivez. Mais rajoutez-le en fois 1000. Pourquoi? Parce que je suis autiste et je vis de l'anxiété à tous les jours de ma vie. Depuis le confinement, pour moi, je vis bien mon anxiété. Vu que je suis dans mon encadrement normal et dans mon élément qui me sécurise. Alors sur ça, en tant qu'autiste, j'espère que je vous ai aidé et que je vous ai permis tout simplement de pouvoir réaliser un truc d'une personne TSA qui vous a permis d'être mieux dans votre peau via l'anxiété. Alors n'oubliez pas la chaîne de Sabi 22. J'espère que vous avez bien aimé mon truc que je vous ai donné. Alors, sur ça, si vous avez vraiment, vraiment apprécié, j'espère que vous n'allez pas l'oublier, mais de le pratiquer à tous les jours. Chez vous, en public, à votre lieu de travail, ou même aux toilettes, et même avant d'aller faire des dodos, après une grosse journée compliquée et difficile. Tout simplement, moi, Sabi 22, je vous donne des trucs ultra génial. Alors, n'oubliez tout simplement pas de cliquer sur le pouce, cliquer sur like, j'aime, partager, et abonnez-vous à ma chaîne. Merci et bonne journée.